moi là, ça fait actuellement une semaine que j'ai bien repris la salle, que j'ai bien repris mes séances. Franchement, j'ai mal. J'ai fait lundi, vendredi, full entraînement. Là, on est samedi et jour de repos, samedi, dimanche. Et franchement, je suis éclaté. Je suis vraiment éclaté. Mais ça me fait du bien. C'est important. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un rythme comme ça. Sachant qu'avant, je tournais sur 2-3 ans, au moins comme ça, 5 jours par semaine, que du sport. Mais là, voilà. Là, ça fait à peu près combien de temps? Ça doit faire 3 ou 4 mois que j'ai pas fait 5 entraînements suite à plein de choses, suite au programme que j'ai proposé sur la chaîne YouTube, suite aussi à mon activité en vidéo, mais c'est plus avec ça parce que je fais des vidéos, je gagnais un peu de sous, voilà. Et le mois dernier, bah, c'était suite à la création de l'entreprise et aussi les clients en vidéo, tu vois. Mais là, j'ai pu me stabiliser tranquillement et reprendre le sport. Parce que là c'est bon, on a une chaîne sportive. Si mon physique disparaît, bah, ça sert à rien, clairement. Au niveau des objectifs physiques que je vais me fixer, ça sera notamment sur les pecs. D'accord? Si tu me suis depuis pas mal de temps, il me semble qu'il y a une année, je me suis dit, je vais me focaliser sur le haut des pecs. Mais là, ça fait plus de 2 ans que là, je fais que de l'haut des pecs. D'accord? Je fais que de l'incliné, du développé incliné, de l'écarté incliné. Tout incliné, d'accord? Et ça, je me suis dit, bon, je le fais depuis 2 ans. Au niveau de la ligne, en haut, je suis bien. Quand je contracte, je sens que j'ai des veines et tout. C'est très, très bien. Mais en bas, mes pecs ne sont pas bien dessinés. Il manque un peu de volume. Et je sais que ce volume-là, ben, je peux le rattraper. Parce que je sais que je peux avoir des très bons pecs. D'accord? Les pecs, ça reste un point faible pour moi parce que mes épaules ont pris le dessus. Mes épaules et mes bras et tout, mais je sais qu'on peut avoir des très bons pecs et c'est ça qu'on va chercher. Donc, je vais bosser beaucoup sur du banc droit, je vais abandonner l'incliné, à part pour les écartés inclinés parce que j'aime bien la sensation que ça me fait, mais on va bosser exclusivement sur du banc droit, on va plus faire l'incliné et aussi peut-être reprendre le développé couché à la barre, accessoirement. Au niveau du dos, je continue à bien le bosser, à bien le travailler parce que c'est un muscle qui était un gros point faible pour moi, que j'ai bien bossé l'année dernière et cette année. Et que là, je commence à voir les résultats. D'accord? Je commence vraiment à avoir du concret. Parce que le dos, c'est un muscle, enfin, avec moi, si tu veux, que je le vois seulement quand je perds du poids. Et je stocke beaucoup de gras au niveau du dos. Et quand je perds du poids, ben, je vois que mon dos est tracé et très très bien. Et là, comme j'ai diminué mes entraînements physiques et je bougeais beaucoup en vidéo et tout, j'ai perdu pas mal de poids. Et en perdant du poids, je vois mon dos tracé et bien volumineux et tout. Donc je me suis fait, je suis sur la bonne voie, on va continuer, on va bien tabasser le dos. Ça, c'est important. Au niveau des jambes, pareil, on va commencer à évoluer, augmenter au niveau des charges, se faire un peu plus mal, rattraper les ischios parce que mes points forts, c'est les quadriceps, points faibles, ischios. On va prendre de la force, on va travailler les ischios, on va faire plusieurs exos. Je souhaite te montrer un peu une routine ischio que j'ai créée qui peut être très très bien pour moi, qui va me faire évoluer. Parce que les jambes, c'est important. Surtout quand tu veux soulever plus lourd pour d'autres parties du corps. D'accord? Pour un développé couché, quand tu prends appui sur le sol et que tu soulèves, ben, les jambes, c'est très important pour le dos. Pour l'exercice de tirage dos, les machines où tu tires, tu vois. Tu prends appui sur le sol, bam, tu as plus de force. Donc les jambes, c'est très important pour développer le reste du corps. Et pour les jambes, on va se concocter un programme qui va me faire mal. Mais on va continuer comme ça pour les jambes. C'est important. Par contre, là, j'ai une envie de cheat meal qui commence vraiment à venir parce que ça fait une semaine que je mange bien, que je surveille ce que je mange. Il faut juste que j'augmente mon apport de légumes pour être bien. Mais ouais, j'ai envie d'un cheat meal là, c'est chaud. On va essayer de tenir bon encore et tout va bien se passer. Et comme j'ai dit en début de vidéo, là, j'ai mal partout. J'ai mal au pec, j'ai mal au bras, j'ai mal au biceps, triceps, épaules. J'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, c'est incroyable, j'ai des courbatures de fou. Mais c'est là où je vois que les compléments alimentaires, c'est vraiment important parce que ça m'aide. J'ai des BCA, que prochaine commande, je prends des BCA en gélule, d'accord? Parce que le goût des BCA, il est bon, mais BCA en gélule, ça va plus vite. Comme là, dans ma commande, je me suis pris du collagène en gélule, tranquillement, ça va faire du bien. La Clearway, incroyable, un coup, c'est super bon. Franchement, la Clearway, c'est super bon. Moi, je la bois dans ma séance et parfois dans la journée, quand je sens que j'ai pas bien mangé, j'ai pas respecté mes apports en protéines, donc je prends un peu de Clearway. Ça fait du bien, ça glisse tout seul, c'est un très bon goût. Et comme j'ai dit, un pesti, d'accord? Tu prends ce goût-là, tu prends rien d'autre
à part ce goût-là. Ou ce goût, je vais tester. Et si c'est bon, je te dirai de les prendre. Mais pour l'instant, prends que Pesti. Et bien entendu, tu prends ça avec le code DAMS pour être tranquille, ok, sur MyProtein. Bon, ça aide la chaîne, ça m'aide moi aussi. Et c'est un petit remerciement, tu vois. Je fais une petite commande, MyProtein. On est ensemble, on s'entraîne et on progresse. Par contre, les mecs, ça va être compliqué. La semaine prochaine, je ne serai pas en France. Je serai en Suisse pour travailler avec mes clients encore en vidéo. D'accord? Parce que ouais, c'est mon travail, hein, si tu ne le sais pas. Je fais de la vidéo professionnelle. Et du coup, normalement, je pourrais bien m'entraîner. Ça pourra bien se passer parce que là où je travaille, ben, c'est dans une salle de sport. Je pourrais m'entraîner. Mais il faut que je vois si je peux filmer mes séances, si je peux aussi parler, parce qu'ils mettent de la musique là-bas. En fait, ils ont une playlist Spotify, je crois. Ils mettent de la musique et du coup, la musique, elle est forte, tu vois. Donc, ça va me pénaliser pour deux raisons. Première raison, au niveau du son, quand je vais parler, sauf que tu vas pas m'écouter, même avec le micro-cravate, parce que le son, il est vraiment fort. Et deuxième raison, bah, YouTube monnaie, on sera démonétisé. Donc à voir, si on peut bien m'entendre, mais je suis démonétisé, c'est pas grave, d'accord? On va faire des concessions, c'est pas grave. Ou sinon, je ferai des vidéos sans le son, hein, si on peut pas m'entendre. Si je peux te filmer aussi, parce que si on me dit, ouais, par contre, tu filmes pas à la salle, là, ça sera compliqué. Mais dans tous les cas, je pourrais faire mes séances. Mais je verrai si je peux te faire des débriefs ou des mini-vlogs ou des trucs comme ça pour que voilà, on soit ensemble et que tu puisses voir ce que je fais en Suisse. Ce qui me fait chier, c'est que je sais pas si je vais prendre des compléments alimentaires pour aller en Suisse parce que il y a un gros problème. C'est que je suis un Renois et partout où je vais, la douane et la police me contrôlent et fouillent toutes mes affaires, d'accord? Ça veut dire que déjà, ça dans ma valise, ça prend trop de place. Mais si je prends un sachet et je mets de la poudre blanche dedans, c'est terminé les mecs. Même ça, je sais pas, je le prends. Ils vont pas dire que c'est du collagène, ils vont dire que c'est des produits puissants. Tu vois, donc je suis mort. Ça veut dire que là-bas, je dois m'entraîner avec peu de compléments. J'ai peu de compléments parce que je sais que mes clients, ils ont des compléments qui pourront bien m'aider, tu vois. Mais ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Mais avec ou sans complément, on va faire le job. En tout cas, comme je l'ai dit, on revient sur YouTube tranquillement. La semaine qui va arriver, bah, je vais voir si je peux te montrer mes entraînements et tout, tranquillement, te parler un peu. Et la semaine d'après, en revenant en France, là, je vais aller à la salle et commencer à faire des programmes complets en salle. Mes programmes à moi en salle. Mais je suis en train de réfléchir encore si je fais des programmes, si je te montre ce que je fais et toi, tu le fais tout seul de ton côté, tu te notes sur une feuille, ou si on fait un programme ensemble à la salle de sport. Je suis en train de voir comment on va procéder pour faire ça. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te la faire. C'est mon week-end. Je vais me reposer. Demain, enfin, on est dimanche. Je ne sais pas sortir quand cette vidéo. Peut-être dimanche ou le jour même à laquelle je la fais. Parce que ouais, demain, c'est repos. On a des animés à regarder. Et on sera bien. On a le One Piece, Boruto. On sera tranquille après, ok? Bon, si t'as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. N'oublie pas le code DAMS pour toutes tes commandes sur MyProtein et pour prendre de la Clear Whey pêche. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.